La FNAIGE, pour moi, c'est le regroupement de tous les chercheurs et enseignants en gestion qui permettent à cette recherche de se faire connaître et de faire progresser en fait la société et les entreprises et le management. Je suis le président de PwC, France et Afrique francophone. Et si je participe à la FNAIGE aujourd'hui et tout au long de la semaine, c'est pour comprendre en fait comment la recherche en management peut intéresser nos équipes qui donnent des conseils aux entreprises, qui les auditent et qui essaient de les faire progresser. Donc avoir une vision prospective, une vision analytique profonde d'un certain nombre de sujets nous permet d'être plus pertinents dans notre relation avec les entreprises et les conseils que nous donnons. Le rôle sociétal de la FNAIGE pour moi, c'est que la recherche, c'est que la vision du management pour l'avenir aussi permette de faire progresser en fait la société, faire en sorte notamment que les entreprises retrouvent une place ou retrouvent une place dans la société qui soit véritablement reconnue par nos concitoyens, au-delà même de leur rôle de créateur de valeur, créateur de profit pour leurs actionnaires, mais c'est aussi donc tout cet écosystème auquel la FNAIGE contribue. C'est à la fois une vision prospective, très profonde, mais aussi des outils qui permettent de progresser au quotidien. Donc c'est cet équilibre et c'est ces différents éléments qui nous permettent, nous, PwC, de progresser et de aussi challenger la FNAIGE dans la façon dont elle fait de la recherche, comment ses enseignants pratiquent leur recherche et nous permettent à nous d'avancer. Donc c'est un dialogue en fait que nous recherchons ici. Évidemment, il y a deux choses fondamentales pour nous en participant à la FNAIGE. C'est d'abord affirmer notre présence auprès des écoles, de l'université, pour leur dire que d'abord nous recrutons les personnes qu'elles forment. Et donc on a besoin d'elles pour cela. Et évidemment, si elles les forment bien avec les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes approches, nous serons d'autant plus pertinents, nous, en tant qu'entreprise, donnant des conseils aux entreprises. Eh bien, je dirais que si dans 50 ans, on voit un autre événement de la chaîne d'arrivée, ça voudra dire que la FNAIGE a véritablement continué à progresser et que dans 50 ans, on ait peut-être encore plus de dialogue, encore plus d'interactions pour que ce que je pense doit encore progresser, c'est-à-dire ce dialogue, la pertinence de la recherche, la pertinence de la relation entre les entreprises et la FNAIGE soit encore plus réel, plus profond pour que justement on progresse ensemble.